On retrouve Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Samuel. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Bah oui, vous êtes où ? Là, je suis en Bosnie actuellement, à Sarajevo, qu'on appelle la Jérusalem d'Europe centrale, parce qu'il y a toutes les religions dans la même ville, et on est arrivé hier, et c'est très sympa. Et alors, tu rentres dans le vif du sujet direct. Vous êtes un groupe de cinq jeunes gens, cinq garçons, je crois. Il y avait une fille, mais je l'ai pas revue. Il y avait une fille, elle est remplacée par un garçon. Voilà. On est très triste, mais on se retrouve à cinq garçons, absolument. Donc cinq garçons, vous êtes partis pour une balade autour du monde, c'est ça ? Exactement, pendant 12 mois. Et alors, l'originalité de ce voyage, c'est que dans les cinq personnes, il y a donc un chrétien, un juif, un musulman, un agnostique et un athée. Ce qui nous permet d'ailleurs, au passage, de repréciser la différence entre agnostique et athée. Alors en fait, c'est assez simple, il suffit d'expliquer. L'athée, il est sûr que Dieu n'existe pas, enfin en tout cas, il croit que Dieu n'existe pas. Mmh. Alors que l'agnostique, en fait, c'est la majorité des Français, il ne sait pas. L'agnostique, c'est 36% des Français, c'est-à-dire quand on leur demande « Est-ce que vous croyez en Dieu ?», ils répondent « Je ne sais pas ». C'est les faucheton comme moi, ça. Alors que l'athée, il est plus militant. L'athée, c'est un peu moins notaire en France, mais... C'est du pipeau, tout ça. On a inventé Dieu, c'est un menton. En France. Il est plus cash, quoi. En France, on est athées, non ? Non. Si, on est bien. C'est un peu moins notre les athées. C'est plutôt les agnostiques. En France, il y a beaucoup d'agnostiques. Hein. C'est presque 40%. Ouais. C'est beaucoup de gens qui disent dans les sondages, je sais pas moi. Mais oui, parce que t'es aussi emmerdé de dire que Dieu existe, que Dieu n'existe pas. Dans les deux cas, ça va pas. Dans les deux cas, tu dis si Dieu existe, je vais me retrouver comme un idiot devant Saint-Pierre à compter mes péchés, et là, je suis mort. Et s'il n'existe pas, mon seul avenir, c'est un pique-nique de vers de terre. Pas enthousiasmant non plus. La France, on est assez original sur ça. C'est drôle parce que quand on bouge, les deux zigotos du groupe, qui sont très bizarres pour les gens qui nous accueillent, c'est la télé agnostique. Hein, parce qu'il y a beaucoup de pays où ça n'existe pas, tout ça. Hein. Mais, il y a beaucoup de pays où tout le monde croit. Et c'est vrai, et tu sais, ça m'est arrivé plusieurs fois dans le monde, et après, j'ai arrêté de dire que j'étais athée. C'était la première fois, c'était en Inde. J'étais dans un. Mais t'es obligé d'arrêter parce que les gens, c'est pas qu'ils t'en veulent, c'est que je me rappelle les Indiens. J'étais dans un train, il y avait une dizaine de types. On parlait de choses et d'autres. Vraiment, on parlait de Dieu. Et toi, t'es quoi? Moi, je dis, moi, je suis rien. Dieu n'existe pas. Et là, t'aurais vu les. Mais c'est pas qu'ils étaient en colère. Ils étaient tristes pour moi. Ils me regardaient en disant, mon pauvre, comment tu fais? Tu vas jamais t'en sortir, tout ça. Alors, j'étais embêté. Et du coup, j'ai arrêté de dire, parce que c'est des débats sans fin. Et bon, voilà. Or, donc, vous êtes partis tous les cinq pour un voyage. Alors, comment s'appelle le voyage? C'est le Face. Interface Tour. Alors, Interface comme la foi, hein, pas Interface comme l'interface. Ouais. C'est Interface Tour. Ça dure un an. Un an. Et pourquoi? Vous dites c'est pour rencontrer des initiatives interreligieuses, des projets. C'est quoi une initiative interreligieuse dans le monde? Alors, initiative interreligieuse, c'est assez répandu en fait dans le monde, et même en France, hein, on a du mal à en prendre connaissance, mais bon, c'est surtout dans le monde. Le principe, c'est assez simple, c'est une initiative qui est menée par des gens de différentes sensibilités en même temps, parce qu'ils sont de différentes sensibilités. Donc c'est une initiative, ça peut être des choses très différentes, ça peut être un cabinet de dentisme, comme une table ronde, une conférence, un débat, comme... un calendrier, comme une visite du centre-ville, ça peut être n'importe quelle initiative organisée par des gens de différentes religions qui vont dire on fait ça ensemble parce qu'on est de différentes religions. Voilà c'est la base. Le fait d'être de religions différentes, c'est la base de la démarche. C'est pas un hasard. On se dit, voilà, on fait un cabinet. Non, exactement, c'est pas un hasard. C'est des démarches où les gens disent on est différents et comme on est différents, ça va nous rendre plus forts. Et donc, du coup, on va faire quelque chose ensemble parce qu'en plus, ça va aider nos communautés à se rapprocher, à faire la paix. Alors, en plus, à Sarajevo, c'est très symptomatique parce que Sarajevo, il y a encore 20 ans, même 17 ans, dans les rues, les gens, ils se faisaient la guerre. Donc, les musulmans, les orthodoxes et les catholiques se sont entretués ici pendant 5 ans. Et donc, aujourd'hui, à Sarajevo, ils essayent de faire plein de trucs ensemble, mais des trucs qui n'ont rien à voir avec la religion. Ils organisent, par exemple, ils ont un cabinet de dentisme ici parce que, ils se disent, voilà, si on fait des cabinets de dentistes interreligieux, on va expliquer aux gens qui habitent à Sarajevo que finalement, c'est possible de faire des choses ensemble. Donc ici, c'est très intéressant de voir, c'est très symptomatique de ce qui peut se faire, voilà, les initiatives. Donc nous, on va voir ces initiatives, on regarde ce qu'ils font et on essaie de faire connaître ce qu'ils font. On vient un peu comme des observateurs, quoi. Qu'est-ce qui vous motive tous les cinq? Parce que j'aurais pu dire c'est la foi, mais non, puisque vous avez un athée et un agnostique. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? À part, bien sûr, le voyage, l'aventure, l'envie de découvrir le monde, bien évidemment, mais pourquoi? Alors, effectivement, il y a le voyage, l'aventure qui nous motive, et puis c'est pas la foi. Et même moi, en tant que catholique, c'est pas la foi qui motive, même si elle fait forcément partie du voyage. Ce qui nous motive, c'est la France, hein, pour être honnête. Nous, on est tous les cinq français, on est fiers d'être français, on aime beaucoup notre pays, et puis on est tous très laïcs. C'est une loi à laquelle on est très attaché, la fameuse de séparation des églises et de l'État.
Et comme on a vu qu'en France, il y avait certains problèmes en ce moment, hein, c'est pas un scoop sur ces questions de laïcité, on voulait voir comment ça se passait ailleurs, en fait, tout simplement. D'accord. Et en fait, nous, on a un peu cette croyance-là, qui est de dire, si les religions, ou en tout cas les gens de différentes sensibilités en France faisaient des choses ensemble, ça se passerait mieux au niveau de la laïcité. Si en France, athées, musulmans, catholiques et juifs faisaient des trucs ensemble, peut-être que la laïcité se passerait mieux. Donc c'est une question qu'on pose, donc du coup, on s'est dit, on va aller voir ailleurs. Et on va voir comment ça se passe ailleurs, quoi. C'est un peu la motivation. Vous avez quelle moyenne d'âge, tous, à peu près? Là, on a tous... Il y en a un qui a 19, on est trois à avoir 21. Ah, ben, il y en a un qui a 20. Celui qui a 19, pardon, il a 20 ans depuis hier, c'est son anniversaire, voilà. C'est les anniversaires Ismaël. C'est le musulman de l'équipe. Et puis, il y en a un qui a 28 ans, moi, l'équipe. D'accord. Et toi, t'es quoi? Tu crois en quel dieu, toi? Moi, dans l'équipe, je suis le catholique, moi. Je suis le catholique, d'accord. Et ben vous êtes jeune, dis donc. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes étudiant? Alors, il y en a trois qui sont déjà diplômés, oui, en Sciences Po et en Histoire, au niveau de la licence. Il y en a un qui est géopoliticien, donc Ilan, qui est juif, il a déjà une petite expérience professionnelle, il travaille depuis quelques années. Et puis le musulman, le petit jeune de l'équipe, là, qui vient d'avoir 20 ans, lui, il étudie en Histoire, il fait son cursus, donc il fait une petite pause dans ses études, il apprendra en rentrant. Question idiote, vous allez faire le tour du monde, à un moment vous allez arriver en Asie, vers l'Inde, l'Asie du Sud-Est, la Chine, tout ça. Vous n'avez pas pensé à prendre un bouddhiste et un hindou avec vous? Bah, on nous pose souvent la question, mais en fait, déjà en France, bouddhiste et hindou, c'est compliqué à trouver, parce que déjà les juifs, ils sont 1% en France, donc c'est une petite communauté, mais les bouddhistes et les hindous, c'est encore moins que les juifs. D'accord, donc quand on a moins d'1% de la population qui est bouddhiste ou hindou, il faut les trouver, donc c'est pas évident. Ensuite, on n'est pas obligé d'avoir les religions des pays où on va pour s'y rendre. Hein. Non, par exemple, l'athée agnostique, il n'y a aucun pays, enfin, il y a très peu de pays sur Terre, à part l'Europe et les États-Unis, ça existe. Donc du coup, on vient quand même avec un athée agnostique, ça bouscule un peu les gens et on est content de bousculer. Donc c'est pas très grave, disons, on va arriver en Asie, on va leur dire, voilà, ça raison de plus pour s'intéresser à eux, on va leur dire, voilà, vous êtes majorité bouddhiste hindou, on sait qu'en Inde, le grand conflit interreligieux, c'est entre hindous et musulmans. Et donc du coup, on va leur demander de nous expliquer, on leur dira, voilà, on n'a pas d'hindou avec nous, mais parce qu'en France, elle a... Allô? Allô? Oui, oui. T'es là? Oui, il y a eu un bruit. Oui, il y a eu un bruit bizarre. On a eu peur. On s'est dit, merde, qu'est-ce qui se passe? J'ai une petite question théologique. Oui, dis-moi. Chacune des religions citées, musulmans, juifs, catholiques, les trois disent qu'il n'existe qu'un seul Dieu et que les autres, il faut les brûler. Comment on peut devenir... que les trois disent qu'il n'existe qu'un seul Dieu, ça me paraît assez évident. Bah oui, que les autres, ils faillent les brûler, ça. Non, non, pas brûler, j'exagère. Non, non. Non, non, pas brûler. Ok, bon, mauvaise expression. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est. On affirme dans la foi qu'il y a un Dieu unique et chacun a son Dieu unique. Comment accepter que l'autre ait un autre Dieu unique? Bah, en fait, la réponse, elle est assez simple, hein, c'est que Dieu, personne n'a jamais vu, personne n'a jamais rencontré, que Dieu, c'est un mystère. Donc, les religions, elles sont traversées par une ligne interne qui est assez facile à comprendre. Au sein de chaque religion, on a des fondamentalistes et on a des gens qui sont sécularisés et qui essaient de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Donc, les fondamentalistes, ils vont dire Dieu, il est comme ça et vont s'arrêter à des définitions de Dieu, c'est strict, alors qu'ils l'ont jamais rencontré, pas plus que personne. Ouais. Et les gens qui sont sécularisés, qui comprennent le monde d'aujourd'hui, ils vont accepter d'avoir une part de mystère sur Dieu. Donc, si on est tous d'accord pour dire qu'il y a une part de mystère sur Dieu, ben finalement, on saura jamais qui a raison, qui a tort. On a pourtant tous des bonnes raisons d'être convaincus que sa foi. Donc, nous, c'est ce qui se passe dans l'équipe. Hein. Le musulman, le catholique, le juif sont très convaincus de leur foi. Mais pourtant, ils se disent, ben voilà, peut-être qu'il y a une part des choses qui est vraie chez l'autre, peut-être qu'il y a une part des choses qui est fausse chez moi. On n'en sait rien, donc du coup, on se repose un peu sur ce mystère-là, non pas par paresse intellectuelle en se disant, bah voilà, de toute façon, on est tous différents et comme ça, mais plutôt au contraire, pour laisser le chemin se faire, laisser des perspectives de débat, de dialogue, donc il y a souvent des débats entre nous, mais en fait, les plus gros débats, c'est ça qui est drôle, c'est pas entre les croyants pour l'instant, hein, dans l'équipe, les plus gros débats qu'on a eu dans l'équipe, c'est entre les deux athées agnostiques et le reste de l'équipe, entre les croyants et pas. Les deux non-croyants, en gros. Ça m'étonne pas. C'est là où il y a les plus gros débats pour l'instant, hein. Après, on est qu'à 3 mois de tour du monde et il nous en reste 7 à faire. Bah, vous allez tous devenir bouddhistes, tu vois. Vous allez revenir le crâne rasé en toge orange, tous, et hop là. Non, mais... Ce qu'on peut faire, c'est se rappeler plus tard, et puis je mais bien sûr, alors si je suis devenu bouddhiste ou pas, mais... je compte bien, attends, bah, tant que je vous connais, je compte bien vous suivre pendant votre voyage. Non mais c'est fou ce que tu racontes, c'est bien, vous êtes bien. Et pourquoi tous les vieux qui s'occupent des religions, ils sont pas comme vous êtes bien les gars là. Bon, on va leur dire. Ah ça c'est une bonne question. Nous on comprend pas trop pourquoi est-ce que dès qu'on parle religion, on parle de conflits, de meurtres, de violences, etc. Alors c'est vrai que c'est la une de l'actualité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, mais nous dans les pays où on voit qu'il y a quand même beaucoup de solutions, hein, on voit qu'il se passe quand même des choses incroyables. Je pense en Palestine par exemple.
Tu vois, dès qu'il dit un mot. Il y a à peu près 20% de chrétiens et 80% de musulmans chez les Arabes. On voit qu'il y a des choses extraordinaires. Pendant le ramadan, les chrétiens, ils protègent les musulmans, ils les aident, ils leur donnent de la nourriture le soir. Et puis pendant le carême, les musulmans réservent du raisin pour les chrétiens parce que les chrétiens, pendant le carême, ils mangent pas de viande. Donc il se passe des choses géniales. À Berlin, la mairie, elle finance une grande nuit porte ouverte dans tous les lieux de culte de Berlin. C'est génial. Si à Paris on faisait pareil, imaginez une nuit comme ça, tous les lieux de culte sont ouverts, on peut rentrer dans toutes les synagogues, toutes les mosquées, ce serait super. À Berlin, ils font ça, ça marche bien. Et puis dans partout où on va, on se rend compte qu'en fait, les initiatives interreligieuses, c'est souvent des réponses aux problèmes. Mais voilà, les médias, c'est les trains qui arrivent en retard et c'est pas forcément très grave. C'est à nous, citoyens, aussi de parler des trains qui arrivent à l'heure. Encore un mot, vous avez rencontré le pape, il paraît ? Oui, on a rencontré le pape. Il va très bien, François. Il est vraiment super sympa. Il faut vraiment le dire. Il est vraiment très sympa. Et alors, en plus, moi, j'étais un peu jaloux parce que quand on s'est présenté, quand je lui ai dit que j'étais catholique, il m'a plus adressé la parole après pendant 10 minutes. C'était fini. Il fallait, je suis de la famille, donc je l'intéressais plus. Bah oui, ton âme, mais c'est normal. Ton âme est déjà sauvée. Il s'est tourné vers ceux qui peut ramener dans le club. Par contre, François était hyper intéressé par Ismaël, donc les musulmans, et par Victor qui est athée. Il a beaucoup parlé avec les deux, beaucoup plus qu'avec moi. Il a beaucoup parlé avec Victor de l'athéisme et avec Ismaël des musulmans du monde entier. En fait, on l'a rencontré de façon complètement inattendue parce qu'on est arrivé à Rome, on a été accueilli par un cardinal super qui est français d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé sur les histoires interreligieuses depuis 20 ans, qui s'appelle Echegaray. Et ce cardinal qui nous aime beaucoup et qui connaît le pape forcément, comme tous les cardinaux, a tenu personnellement à nous présenter au pape. Alors on était hyper surpris, on arrive à Rome et puis là, il y a le cardinal qui nous dit « Bon bah les gars, je vous présente le pape François demain », on a dit « Ok ». Et donc du coup, on a rencontré le pape, on est tous très contents de ça, ouais, c'est une super nouvelle. Bon bah ça c'est fait, ok, donc le pape c'est bon. Bon bah écoutez, maintenant qu'on se connaît, effectivement on va suivre, on va mettre un lien là, avec votre site, votre blog, votre page Facebook et tutti quanti sur notre page Facebook à nous et sur lebouffe.fr. Et j'espère bien vous avoir de temps en temps au téléphone pour que vous nous racontiez votre voyage et votre évolution aux uns et aux autres tout au long de ce voyage. Hein. Sur l'avenir, nous, on sera en Turquie là, pendant un mois en octobre, en Afrique en novembre, donc c'est quand vous voulez, il y a vraiment avec plaisir. D'accord, de toute façon maintenant on a les boîtes mail, tout ça, Anka, donc on peut se joindre. Ok, super. Samuel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon voyage à vous. Bientôt. Bonne route. Profitez bien. N'oubliez pas aussi d'oublier Dieu de temps en temps pour profiter de sa création. Et à bientôt. Merci d'aller à la planète et merci le MOOC, c'est super. Salut Samuel, à bientôt. Ciao.